Managua, printemps 2018. Ils ont 20 ans. Ils ont pris la rue. Ils manifestent contre le président Ortega, revenu au pouvoir en 2007. Ils ont 20 ans. Ils abattent les symboles du régime. Ces arbres de vie en fer forgé, semés dans la capitale par Madame Ortega, au nom de sa conception de l'art. Ils ont 20 ans. Ils font la révolution, le portable à la main. Tout a commencé le 12 avril. Au sud du pays, un incendie de forêt ravage la plus grande réserve d'Amérique centrale. Le régime révèle son incapacité à lutter contre les flammes. Et pire, il refuse l'aide de ses voisins costariciens. Les jeunes, qu'on croyait plutôt indifférents à la politique, sont écœurés. Ortega laisse la nature mourir au nom de l'autosuffisance sandiniste. Première manifestation, qui en déclenche d'autres. Les jeunes ont eu le courage de prendre la rue, alors les vieux s'y mettent aussi. Ceux-là sont des retraités qui protestent contre un plan de réduction de leur pension. Inadmissible pour le pouvoir, qui lâche sa police. Premier blessé. Les images font le tour des réseaux sociaux et choquent le pays entier. La situation échappe assez vite au gouvernement qui durcit la répression. Elle fait un premier mort à Managua le 18 avril. Et la province aussi descend dans la rue. À Esteli, deux jours plus tard, il y a un autre mort dans la soirée. Franco Valdivia. Une balle dans la tête. Il avait un peu plus de 20 ans et il vivait encore avec sa mère dans ce quartier populaire d'Esteli. Sa grand-mère ne parle plus, retranchée dans sa peine. La vie est devenue triste sans Franco et plus dure. Son salaire était le seul de la maison. Ce jour-là, il a décidé de rejoindre la manifestation. Et il s'est passé ce qui s'est passé. On ne s'y attendait pas, parce que c'était une marche pacifique. Il y a une vidéo, un Facebook en direct, où il apparaît vers 18h30. Il est en train de montrer une balle en caoutchouc. On était dans une marche complètement pacifique quand ils ont commencé à nous lancer des grenades lacrymogènes et à tirer des balles en caoutchouc. On a besoin d'eau vinaigrée, de nourriture si c'est possible. Tous les citoyens sont de notre côté car il s'agit du peuple nicaraguayen qu'on aime. C'est pour lui qu'on lutte. Le parc était bourré de policiers anti-émeutes et de bandes de miliciens sandinistes. L'un d'eux a dit : voilà ce qu'ils veulent, ces fils de pute. Des balles dans la tête. Je me dis que quelqu'un qui parle comme ça n'a ni sentiment, ni cœur. Ils n'ont pas laissé les étudiants prendre le corps de mon fils. Il est resté tel qu'il est tombé, par terre, dans le parc, pendant des heures. Après, ils l'ont pris par les pieds et ils l'ont traîné. Il n'était pas si lourd qu'on ne puisse pas le porter. Ce qu'ils ont fait, c'est le traîner à travers tout le parc. Et son sang est resté sur le sol. Me enamoro de mí.
mí. Te aseguro que iré por ti. Esa es la frase que a mi sueño no le canso de repetir. Que me espere, que reitere, que tendrá mil cosas buenas. Mis canciones redactadas con la tinta de mis penas. Él también, aparte de trabajar. Lui, a part travailler dans un atelier de charpenterie et étudier le droit, il écrivait des chansons et il chantait. Y cantaba. Bueno, es solo escoger el lápiz y hablarles de pistolas. Prefiero transmitirles que esta vida es una sola. Yo a sola recordando mi pasado empantanado. Cuando las canciones que él cantaba. Il faisait du rap social, pour que les gens prennent conscience des réalités. Para concientizar a la gente. En la familia, aunque errores se cometan, palabras de padres son palabras de profetas. El peor de los casos es que no hacemos caso. Y por más que damos vueltas sin amarre, no hay lazo. No hay brazo que reemplacen ni cariño que intercede en el carruaje de esta vida. No hay como para ruedas. ¿Quién se queda? En la mala, ¿quién se queda? Yo no espero nada de nadie, que se quede tú el que pueda, pues la soledad. Siempre escucha las canciones de él. Sa fille Simone écoute la musique de son père tous les jours. El equipo lo pone tous les jours, elle l'écoute à fond. La música a todo volumen para escuchar sus canciones. Il ne reste à Simone que quelques chansons et son chagrin silencieux de petite fille. À Managua, courant avril, les arbres de vie de l'épouse d'Ortega continuent de s'écrouler. La révolte est devenue multiforme. Les jeunes et les étudiants sont toujours à l'avant-garde, mais le pays entier gronde contre le couple vorace qui tient le Parlement, l'armée, la justice, la télévision et les rênes de la corruption. Il est bien mort, le romantisme de la révolution sandiniste qui avait une première fois porté Ortega au pouvoir en 79. Le pays est toujours aussi pauvre, certes dans un état moins désespéré que le Venezuela, mais comme lui, sans aucune perspective démocratique. La preuve, la seule réponse du pouvoir, c'est toujours plus de répression. Fin avril, on compte chaque jour un ou deux morts et de nombreux blessés. Et les arrestations se multiplient. Il ne fait pas bon avoir des images de manifestations dans son portable. La police sait qu'ils sont devenus le principal outil de la mobilisation. Alors, début mai, les étudiants les plus exposés choisissent de disparaître de la circulation. Bienvenue dans ce qu'ils appellent une maison de sécurité. Un lieu loué sous un faux nom, isolé et financé par des fonds participatifs. Il y en a plusieurs dizaines dans la capitale. Ces jeunes militants n'ont jamais été jugés ni condamnés, mais ils savent très bien que tomber aux mains de la police peut leur coûter très cher. Arrestations arbitraires et violences en détention sont monnaie courante chez les héritiers de la révolution sandiniste. Cette villa est devenue un des lieux de coordination de la contestation des millennials, ces jeunes gens qui sont nés avec le siècle. On a eu l'idée de créer ce qu'on appelle des nids. Ce sont ces maisons pas seulement dédiées à la sécurité, où on est à l'abri pour survivre. Ce sont des espaces sûrs de création, autoprotégés. Car il s'agit que ceux qui sont dans ces nids soient en sécurité, mais aussi en mesure d'accomplir leur travail militant. On se connecte grâce à des applications afin de coordonner nos réunions. Dans nos drives et dans nos clouds, on a tous nos documents, tout ce qu'on produit, des vidéos, des photos, du graphisme. Et on coordonne les nouvelles marches depuis des portables. On fait très attention à nous. On sait que cette situation va durer longtemps et que les persécutions ne vont pas s'arrêter de sitôt. Ici, ils comptent les jours, au sens propre, pour leurs copains qui n'ont pas réussi à se mettre à l'abri. 7 de leurs compagnons sont détenus depuis près d'un mois. Ils organisent à distance des manifestations pour soutenir ces 4 garçons, ces 2 filles et un transgenre, Victoria.
Évidemment que souvent on se sent mal, qu'on n'a pas le moral, on ne peut pas voir nos familles, on ne peut pas avoir une chambre à soi, une salle de bain ou un lit confortable. Mais on a tout le temps à l'esprit nos copains emprisonnés, surtout Victoria, qu'ils ont mise en cellule avec des hommes. Tous ses droits sont bafoués, c'est inhumain ce qu'ils font. Justicia, compañeros de la comunidad LGBTI. Victoria no está sola. Victoria no está sola. Victoria no está sola. Victoria no está sola. Para Luis Quiroz. Libertad. Devant ce tribunal, ce jour-là, ils sont ainsi une vingtaine à soutenir Victoria et ses amis. Ils sont accusés, excusez du peu, de terrorisme, d'homicide, d'incendie volontaire, de vol et d'enlèvement. Victoria, celle que l'on juge ce matin, elle a eu un rôle crucial dans l'occupation de la plus grande fac du pays, un bastion de la résistance. Elle est transgenre et on ne veut pas que ça soit nié. Freeman a lui aussi documenté la révolution des millennials. Le 7 mai, le régime appelle à la reprise des cours alors que la fac est toujours occupée. Les étudiants s'y opposent et s'engouffrent en masse dans les bâtiments. Je commence à faire un direct. Pour nous, les lives ont été un outil de protection pour dire aussi « On est là, voilà ce qui se passe » et que tout soit enregistré. Ce live a été repris par une chaîne indépendante et tout le pays l'a vu. À un moment, un étudiant a décroché un drapeau du Front National Sandiniste et un employé de la fac, très en colère, l'a repris. Il y a eu une petite bousculade. On peut avoir l'impression que je pousse la dame pour lui arracher le drapeau, mais ce n'est pas moi. À partir de ce moment-là, on a commencé à m'accuser de frapper les femmes, de vandalisme, de délinquance. Et j'ai commencé à recevoir des menaces de mort. Les persécutions ont commencé et j'ai dû quitter le pays. Début mai, face à la dégradation de la situation, l'Église intervient. Elle propose une rencontre entre l'opposition et le président Ortega. Il accepte. Il est conspué. Du jamais vu. On avait discuté la veille de ce que nous allions dire et faire. On a élaboré un programme. On a planifié les interventions. Mais on a surtout décidé une chose, ne pas permettre qu'Ortega parle avant nous, les étudiants. La réunion va se dérouler dans une atmosphère électrique. Les étudiants ont appris à ne plus avoir peur. Peut-être que vous, vous avez pu dormir tranquille. Mais nous, on n'a pas pu. Nous sommes persécutés, nous sommes étudiants. Et savez-vous pourquoi je ne respecte pas votre temps de parole ? C'est nous qui avons fourni les morts, les disparus, et tous ceux qui sont en prison, ce sont nos morts. Ce sont nos disparus, nos emprisonnés. Ils sont de notre côté. Ce n'est pas une table de dialogue, c'est une table pour négocier votre départ. Et vous le savez très bien. Nous ne pouvons pas discuter avec un assassin. Ce qui se passe dans ce pays, c'est un génocide. Vous avez demandé la liste de nos morts, la voici. Moroni, López, García, Université de Managua. Franco, Valdivia, Machado, Esteli. Ortega, ulcéré, ne répond pas sur le fond. La discussion se poursuivra sans lui et aboutira la semaine suivante à une proposition de trêve. Le leader de la révolution quitte la réunion sous haute protection.
Il était clair que le gouvernement n'avait aucune intention politique de dialoguer. Mais à la fin, il a lâché ce mot, trêve. La trêve, c'était quoi? Le gouvernement retirait toutes ses forces policières et paramilitaires de la rue. Et en contrepartie, nous, de notre côté, le peuple ou la coordination, on appelait à démanteler toutes les barricades et à arrêter l'occupation des facs. Mais le gouvernement dénonce la lenteur des démantèlements. En juillet, il décide de reprendre de force les dernières barricades autour de l'université. Les affrontements sont violents. On est tout seul. On va tous mourir. Maman! Maman, pardonne-moi! Le curé de la paroisse de la Miséricorde, toute proche, effrayé et révolté par les combats, propose son aide. Mais il n'est plus question de trêve. Il fallait qu'ils partent encore plus vite, car les paramilitaires étaient rentrés sur le campus. Ces espèces de forces conjointes de la police avec des unités inconnues, on ne sait pas qui ils sont. Ça doit être des mercenaires payés pour attaquer les jeunes. On a commencé à sortir les jeunes, on a fait plusieurs voyages sous les balles. Il va tout de même mettre près de 150 étudiants à l'abri. Toute la nuit, son église sera mitraillée. Ils ne respectent même plus un lieu comme l'église. Entre tous, on a formé une famille. Nous avons mal pour chaque blessé, pour chaque séquestré. S'il vous plaît, peuple nicaraguayen, s'il reste des gens sensibles à notre cause, unissez-vous. Seul le peuple peut sauver le peuple. Diffusez cet appel à l'étranger. Au petit matin, les étudiants espèrent une accalmie. Ce sera le moment le plus violent. Aux abords de l'église, un mort et un jeune à l'agonie, Gerald. C'est mon sacerdoce. Je me suis approché de lui pour prier avec lui. Essayer de l'accompagner en prière. Ce qui m'a le plus frappé, c'est ce regard qu'il avait. Je ne l'oublierai jamais. Gérald et l'autre étudiant tombé autour de l'église seront enterrés deux jours plus tard, près de chez eux. Pour une fois, la police restera à l'écart du cortège. Son ancien quartier semble avoir retrouvé son calme. Sa mère aussi. Elle a retrouvé un peu d'énergie en s'occupant des petits, dans un quartier où tout le monde la soutient. En apparence, la paix et la résignation. Mais la révolte n'est jamais bien loin. Les médias officiels ont dit que mon fils était un terroriste. Ils ont écrit le leader Gerald Vasquez, celui qui a incendié Radio Nicaragua et une autre radio, celui qui a volé des camionnettes, qui détenait tout un arsenal. Voilà ce qu'ils ont dit de mon fils. J'ai senti monter une colère. Je vous le dis, une telle colère que je me dis que cette affaire avec ces salauds ne peut pas en rester là. Et ça ne va pas en rester là. Inaudible pour le régime. Le 15 septembre, jour de fête nationale, Ortega fait comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait plus d'autres manifestations que celles à sa gloire. Aux couleurs du pays, bleues et blanches, pour ne pas les laisser à l'opposition. Il peut reprendre ses habituels discours à la Castro. Nous, pays d'Amérique latine et des Caraïbes, nous avons assumé un premier grand engagement collectif. Un miracle. Une véritable manifestation d'unité.
on a décrété l'Amérique latine et les Caraïbes zone de paix. C'est comme ça qu'on l'a voulu, c'est comme ça qu'on la défendra. L'Amérique latine est une zone de paix. Le régime essaye de reprendre ses bonnes vieilles habitudes. Circuler, rien à voir. Quelques-uns des arbres de fer de Madame Ortega ont été relevés et un des idéologues du régime peut affirmer que tout est rentré dans l'ordre. Je pense qu'une bonne partie des jeunes qui ont participé à ces événements pensaient qu'ils faisaient quelque chose de juste, de bien. En grande partie, c'est de notre faute s'ils n'ont pas été suffisamment informés. Et ça, on doit le reconnaître. Mais la situation actuelle est très différente. Si vous regardez bien, ces marches de la droite en ce moment, ces quatre tondus, des rogatons. Le gouvernement, ce qu'il fait maintenant, il utilise la terreur. Arrestations et tortures très sélectives. Ce qu'il fait, c'est qu'il en prend quelques-uns ici ou là. Il n'attaque plus les grandes manifestations, il ne recourt plus à ces méthodes d'avant, qui consistaient à dire « on est là, on va vous tuer et on vous tue ». Il s'est rendu compte que cette stratégie ne suffit pas et qu'en plus, ils ont l'opinion mondiale contre eux. Problème pour le régime ? La rue n'a plus peur. Deux fois par semaine, des milliers de Nicaraguayens manifestent et demandent des comptes. La commission des droits de l'homme de l'ONU a voulu enquêter, elle a été expulsée. La société civile a créé un mouvement, l'Unité nationale bleue et blanche, qui réclame le rétablissement des droits fondamentaux et aussi des élections anticipées. Le mouvement a appuyé plusieurs grèves générales très suivies. Il n'y a plus de touristes. Le pays, après 10 années de croissance, devrait entrer en récession en 2019. Jusqu'à présent, rien de tout cela n'a fait bouger le régime. 7 mois après le début des événements, les facs sont toujours fermées. Il y a toujours des maisons clandestines, toujours de la répression et une menace permanente. Mais rien n'arrête les millennials. Les rogatons ne lâchent rien. En cette fin d'été, ils font toujours face à la police et aux milices sandinistes sous leur drapeau rouge et noir. Ils ont essayé de couper Internet parce que selon Ortega, c'est un outil pour provoquer un coup d'État. Ce qu'on veut, c'est qu'ils partent. Nous voulons la paix. On ne veut plus de mort ni de tout ça. Nous sommes pacifistes. Ce sont eux qui nous tuent. Ils ne nous laissent pas nous exprimer ni être nous-mêmes. Il nous provoque en permanence. Tiens, regarde, mais regarde. Le 23 septembre, au cours de cette manifestation, Matt Andrés Romero, 16 ans, sera le 325e mort de la révolte du Nicaragua. Le 14 octobre, le régime déclare l'état d'exception. Les manifestations sont désormais interdites. Ortega, le vieux héros de la révolution sandiniste, est devenu complètement sourd à ce que lui demande son peuple.